Chers valeureux membres Ligue Primale, chers leaders, chers Platinum, chers Diamond, chers potentiels coachs Ligue Primale, bonjour. La grave pandémie qui vient de survenir dans le monde entier nous a tous surpris par sa soudaineté et par la gravité des dégâts qu'elle cause. De nombreuses familles sont en ce moment victimes des décès et autres. Certains ont vu leur emploi et affaires mettre une pause à cause de cette maladie diabolique dont personne ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Ce qui vous affecte, chers membres, nous affecte également. Et je tiens à vous exprimer ici, à mon nom propre et au nom de l'ensemble du personnel de Global Investment Trading et des membres liés plus mal, pas encore victimes, notre tristesse, notre soutien et notre solidarité. L'IEP Mal aujourd'hui n'est plus un lieu uniquement où on parle argent. C'est également un lieu d'entraide et de solidarité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'année passée nous avions créé l'association Odette l'IEP Mal. Je salue l'effort de tous ceux qui sont dans les pays touchés. Je pense ainsi à la Norvège, à la France où nous avons assez de membres, à l'Allemagne, à la Chine, à Dubaï, au Burkina Faso, au Sénégal, bref, dans tous les pays affectés par, je n'ose pas prononcer le nom, mais par cette maladie qui est en train de terroriser tout le monde entier. Également au Cameroun aussi, où aujourd'hui, jusqu'à l'heure, je vous parle, l'État a déclaré 5 personnes, Dieu seul sait combien, sont déjà en circulation dans le territoire. Bref, je pense à tous les membres de l'IEPMA qui sont en difficulté en ce moment. Puis ces mots de solidarité répondent au mieux à vos besoins et vous apporter le réconfort et la fraternité. Avec mes collaborateurs, je vous dis notre proximité et notre cordiale amitié. Essayez chacun à son niveau de prendre les précautions qui sont prescrites par l'Organisation mondiale de la santé et par les experts. Au Cameroun aussi, je conseille aux uns aux autres de boire du gingembre, du thé au gingembre, comme je le fais là, avec de l'eau chaude, bien entendu. De boire aussi de l'eau citronnée. Moi, chaque matin, je bois une tasse de thé avec du citron. On ne peut pas prévenir cette maladie d'après ce que nous donnent des informations de l'OMS. Mais chacun peut au moins à son niveau se battre à se désinfecter les mains, à se laver les mains chaque matin, chaque midi, chaque soir. Bref, après chaque rencontre, chacun à son niveau peut se prévenir et prévenir sa famille. Je vous aime tous. Que Dieu nous aide, que Dieu nous accompagne. Rendez-vous ce soir pour le webinaire. Merci beaucoup.